Salut tout le monde les amis, c'est Cruxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma chambre encore une fois. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos et regardez, j'ai une nouvelle télé. Wouh, miracle. J'espère que vous m'entendez bien déjà parce que j'ai pas le casque sur la tête, j'ai juste le micro de la GoPro, donc j'espère que ça ira, j'espère que je donnerai pas trop de coups de doigt. Mais en gros je vous fais cette vidéo pour deux petites choses, déjà pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée et j'ai pris une énorme carotte. Et ensuite pour vous demander de lâcher des commentaires concernant un sujet en particulier. Alors attendez, je pousse ça. Non, alors je vous explique en gros, j'ai changé de télé, regardez-moi ça. Non, elle est vraiment bonne, c'est une LG si jamais. J'ai acheté sur internet, je l'ai reçue ce matin. Et enfin, au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai reçue déjà depuis 3-4 jours, mais voilà. Donc je l'ai reçue moi ce matin. Et si jamais c'est une. Elle fait un mètre de diagonale. Et j'avais celle-là, rappelez-vous, la petite télé pour ceux qui connaissent ma chambre un petit peu. Et en fait, j'ai dû changer de télé parce que si vous voulez, vous voyez ce jeu-là qui est juste une merveille. J'ai fait juste les 30 premières minutes et c'est juste une boucherie. Je vous le conseille à tous. C'est fait par ceux qui ont fait Uncharted, si jamais, pour ceux qui sont pas au courant. Voilà, bref, achetez-le, il est monstrueux. Et donc je me suis acheté ce jeu, The Last of Us. J'arrive pour me le mettre, je le mets dans la PS3, je me le mets, je me pose et tout, bim bim, je mets les pieds sur la chaise. Et au moment où je fais la mise à jour en fait et que le jeu se lance, j'arrive dans ce menu que vous voyez là. Et il se trouve que j'entends un gros pet à l'intérieur de ma télé, ma télé est juste morte. Donc j'ai juste pris une énorme carotte, bah, elle avait presque, ouais elle avait 2 ans et des poussières. Et donc voilà, j'ai pris une énorme carotte, donc ça fait, j'ai dû attendre presque une semaine. Le temps de commander ma télé, de savoir laquelle je prenais, parce que ça fait mal au cul, j'ai quand même payé 400€, donc voilà. Et puis voilà, donc je me suis pris cette j'allais dire, cette petite télé. Donc l'avantage, c'est que maintenant je peux me servir de canapé, en gros. Et donc voilà, c'était une énorme carotte concernant le The Last of Us. J'avais Benoît, j'avais tout le monde qui me disait ouais, il est trop bien et tout, tu vas kiffer. Et puis j'ai jamais pu me poser pour le faire. J'étais deg. Et là, je viens de jouer 30 minutes et c'est juste monstrueux. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, et je voulais vous parler aussi d'un petit truc si jamais. J'ai sorti là aujourd'hui aussi une vidéo sur Call of. Et j'ai sorti une vidéo sur Call of concernant une série multi que je serais. Il serait possible que je fasse aussi des trucs trial et tout. Mais en fait, j'ai envie de faire quelque chose, c'est que j'ai envie de. Comment dire? J'ai envie de faire autre chose en fait sur ma chaîne. J'ai envie de trouver un nouveau concept qui changerait de tout ce qu'on voit sur YouTube et tout, parce que bah, je me rends compte qu'au final il y a plein de gens qui font ça les lasses de voir toujours la même chose et tout. Donc j'ai bien envie de trouver un nouveau concept, donc je suis preneur. Je vais dans cette vidéo vous demander de lâcher des commentaires avec vos idées, vos suggestions, vos façons de penser, enfin tout ça. Et si vous avez des idées, des trucs que vous aimeriez voir qui sont cool et qui sont pas classiques, genre de Call of quoi. Parce que bon voilà, mais une idée qui sortirait du lot un petit peu, bah, moi je suis preneur, franchement je suis preneur, je lirai tous vos commentaires sur cette vidéo, et puis voilà, et puis parce que bon, je fais un let's play sur Red Dead, là vous voyez là, boum, je sais pas si vous voyez bien, je fais un let's play sur Red Dead et bah, c'est cool et tout, je prends énormément de plaisir à le faire, mais il y a très peu de gens qui le suivent et tout, parce que bah, je peux comprendre que ça intéresse pas non plus tout le monde et tout ça, donc au final je me dis, bah, ce qui serait cool c'est en fait de trouver carrément un nouveau concept, une nouvelle idée, vraiment quelque chose de novateur et tout, donc je suis moi à la recherche d'idées, que ce soit des trucs à plusieurs, que ce soit des trucs solo, que ce soit des trucs IRL ou avec en jeu, ou même carrément faire autre chose qui concerne un petit peu le jeu vidéo, mais faire carrément un petit peu autre chose, je sais pas, trucs concernant les films, concernant, je sais pas, donnez-moi des petites idées, ça peut être sympa et tout, donnez-moi des commentaires pertinents s'il vous plaît, parce que si je vais de toute façon tout lire, mais ce serait cool que j'ai quasiment que des commentaires pertinents avec des idées, enfin au moins qu'ils soient faisables quoi, donc ce serait cool, voilà. Et je vous dis ciao ciao les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, super de télé, je m'en vais jouer.